Good morning, allez, Yidan, et nous aujourd'hui les Lunishmad, Mouvirabi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shalom, Binyamin, Ben Mazal, ainsi que les Rifouat, Rafael Zulun, Betre, Amalia, Myriam, Betrasida, Dov, Ben Yehudit, Sarah, Bat Petit Rivka, et Chaim, Moshe, Ben Chana, Betor, Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, quand il est 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Cholin, Perektet, Mishnah, Zain, Ha'ever, Vehabasar, Amedul, Dalin, Babehema, Metam, Intumat, Ochalin, Bimkoman, וצריכין הכשר, נשחטה בהמה, הוכשרו בדמיה. דברי רבי מאיר רב שמעון אומר, לא הוכשרו מתה הבהמה, הבשר צריך הכשר. העבר מטמא משום עבר מן החי, ואינו מטמא משום עבר נבלה. דברי רבי מאיר ורבי שמעון מטהר. אבון אבי עונה למשנה לפלו דיור דחולין. פורמוה פרסונלמנט. C'est pour votre chance, parce que c'était tellement dur pour moi et comprendre que j'ai dû bien préparer mon chiour, mes enfachev, et on va quitter la Mishnah, on va pas en parler, je vais parler un petit peu à l'oral. Tachlès, il y a 7 points à connaître pour pouvoir comprendre la Mishnah, que j'ai classé en 3 thèmes, Bezrat Hashem. Je vous le fais très rapidement. Et d'abord, la Halakhot, on parle, comme vous avez vulgairement d'abord, histoire de quand même de rester avec un petit rapport dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, on va parler d'un membre ou d'un bout de chair d'un animal qui pendouille pour plein de Halakhot. Il a un statut de Ever Minachai, donc du coup ça va nous faire entrer dans Ever Minachai avec les impuretés de Ever Minachai qui sont assez délicates. Maintenant, on va commencer d'abord à parler de l'interdit de Ever Minachai. Ever Minachai, c'est donc un membre. D'abord, on va parler d'un membre qui se fait totalement arracher d'un animal. Vous savez bien, depuis que Noach, qu'Hachem a permis à Noach de manger de la viande, et il lui dit, mais attention, je te permets de manger de la viande, mais d'abord tu tues l'animal avant de le manger. T'as pas le droit d'arracher un membre d'un animal et de le consommer. Ça implique à la fois d'arracher un membre ou d'arracher même un kazaït de viande. D'accord ? Premièrement. Maintenant, on parle pour le moment donc que je l'ai totalement arraché. Il y a malgré tout une petite différence entre les deux. Entre les deux cas de figure. Si j'ai arraché un morceau de chair, ou si je dois arracher un membre, un doigt. Quelle est la différence ? C'est que la chair, quand on lui arrache un bout de chair, la chair se reproduit. À la différence du membre, où le membre ne se reproduit pas. Si on arrache un doigt, il n'y a plus de doigt. Alors que si on enlève un bout de chair, alors les cellules vont se reproduire et puis on va finalement refabriquer de la chair. Par rapport à l'interdit de Ever Minachai, de manger un morceau d'animal qui a été arraché, il n'y a aucune différence. Mais par rapport à une touma particulière, il y a une différence. La Torah, elle a explicité, elle a implicité plutôt dans un pasouk, Riyamot Mina Behema, c'est dans le premier nom de la Torah, qui rapporte ça, que si on arraché un membre, ce membre véhicule une impureté, un peu comme l'impureté de la Nevela, le cadavre d'animal, c'est quelque part un petit cadavre, un morceau de doigt, c'est un bout de cadavre, Riyamot Mina Behema, même un peu de viande qui est mort, c'est qu'il y a eu un membre conséquent de l'animal qui a été arraché. Donc ça a vécu une impureté, à la différence donc du kazaït de chair. Si on arrache un bout de chair de la viande, eh bien ce morceau de chair, même si un kazaït, ne va pas rendre impur à cause de la tomate nevela. D'accord ? Donc pour le moment, on a expliqué c'était quoi l'interdit de Ever Minachai, que ça implique un membre comme de la chair, en expliquant quand même une différence par rapport à l'impureté. Que le Ever Minachai, lorsqu'on arrache un membre entier, alors ça véhicule une impureté, alors que lorsqu'on arrache de la chair, ça ne véhicule pas d'impureté. Il y a une autre petite précision, je l'ai dit tout de suite, on reviendra dessus après, parce que c'est nécessaire pour comprendre le mentionné dans Mishnah, c'est que malgré tout, je vous ai dit que lorsqu'on arrache un membre, ça véhicule une impureté de Nevela, mais ce n'est pas exact. C'est un peu moins rigoureux qu'une impureté de Nevela. En quoi c'est moins rigoureux? Lorsqu'on a une Nevela, un animal qui est mort sans Shrita, donc un cadavre de Nevela, même si on va prendre de là-bas un morceau de viande, de chair, un zaït de viande, ça va rendre impur. Alors que lorsqu'on a un Ever Minachai, on a arraché par exemple un pied de l'animal, on a arraché un pied de l'animal, donc il est interdit de Ever Minachai, ça véhicule une impureté. Si toutefois on va prendre un morceau de chair de ce Ever Minachai, ce morceau de chair ne va pas rendre impur. D'accord ? Donc en fait, pour le moment, je résume, on introduit 3 halakhot par rapport au Ever Minachai. On expliquait c'est quoi Ever Minachai, arracher un membre d'un être vivant, en expliquant une différence. En y expliquant d'abord que ça implique aussi bien le membre que la chair. On expliquait une différence par rapport à l'impureté,
que la chair ne véhicule pas l'impureté, tandis que le membre véhicule une impureté. Et on a expliqué que malgré tout, l'impureté véhiculée par le membre, c'est pas exactement la même impureté que la nevela, qu'un simple cadavre d'animal, parce que le membre, il va rendre impur tant qu'il est tel quel, mais dès qu'on va si on va lui arracher un bout de chair, ce morceau de chair qu'on va arracher du membre qui a été arraché ne va plus véhiculer l'impureté. On a fini avec les trois premières introductions des Minachai. On met de côté. Maintenant, on va parler du Hercher Ochalim. Une notion qu'on a déjà véhiculée plein de fois, que vous connaissez parfaitement, Baruch Hashem, je pense, c'est que on a évoqué dans ma Sechet Cholin, Perek Bet Mishnah Hey, on a déjà évoqué le sujet. Et c'est quelque chose qui se trouve très fréquemment. De manière générale, d'abord, les aliments qui naturels, qu'il s'agisse de végétaux ou qu'il s'agisse même d'animal, quoi, enfin, de la viande qu'on va manger, les aliments ne véhiculent d'impureté que s'ils ont auparavant ils ont été mouillés. D'abord par de l'eau, essentiellement. C'est ce qui est le plus explicite. Par exemple, cas simple, on arrache une pomme d'un arbre, quelqu'un d'impur qui vient, qui touche la pomme, il la rend pas impure. Pour quelle raison? Elle n'a pas été mouillée auparavant. Dès que le fruit va être une fois mouillé, même si après on l'a mouillé, on l'a séché, il y a quelqu'un d'impur qui va venir le toucher, il va le rendre impur. Pour le faire entrer, mise en fonction d'un aliment, il faut que depuis le milieu naturel où on l'a pris, il faut qu'on l'ait mouillé une fois. Idem avec de la viande. La viande aussi, lorsqu'on abat un animal, eh bien, en théorie, pour que la viande devienne impure, il faut que quelqu'un d'impur qui va le toucher, eh bien, il faut que la viande, elle ait été mouillée par l'eau, ça c'est admis, mais c'est même aussi pas possible de le faire par le sang. Ouais, donc en l'occurrence, lorsque je vais égorger l'animal, il va y avoir du sang qui va gicler, qui va couler sur son cou, eh bien, donc maintenant, tout l'animal, il va maintenant être apte à recevoir l'impureté. Il y a en réalité une petite discussion sur ça entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Meir, c'est vrai. Selon Rabbi Shimon, le sang ne rend pas impur. Mais malgré tout, d'après Rabbi Shimon, il y a quand même autre chose. C'est le simple fait d'égorger l'animal, ça le fait entrer en fonction. C'est un peu plus délicat à comprendre. Donc, je vais essayer maintenant de simplifier la règle, la généralité, pour ensuite qu'on va prendre ça et on va l'appliquer sur la machine et le comprendre. Donc finalement, on a parlé maintenant, dans la deuxième introduction, on a parlé que les aliments, pour qu'ils rentrent en fonction, il faut qu'ils soient mouillés. Il faut qu'ils se fassent mouiller. Mouillés par de l'eau. Maintenant, si c'est mouillé par du sang, il y a une discussion. Que selon Rabbi Meir, mouillé par le sang, ça suffit aussi. Selon Rabbi Shimon, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Mais selon Rabbi Shimon, on a autre chose qui fonctionne, c'est de lui faire plutôt la shrita. Le simple fait de faire la shrita d'un animal, ça le fait entrer en fonction. Et c'est un peu plus délicat. On va pas réussir à comprendre, je ne vais pas réussir à vous expliquer la Mishnah à 100%. Sinon, ça va être trop lourd de comprendre ça. Il va falloir plus comprendre. C'est pas compliqué, mais il faut malgré tout savoir aussi alléger. Parfois, il vaut mieux pas tout dire, comme ça, moi, on garde son nom. Pour le moment, je reviens. On a déjà introduit deux thèmes. Le sujet de Ever Minachai avec trois halachot, c'est-à-dire, on a expliqué arracher un bout de chair ou un membre. On a expliqué une différence d'impureté. On a expliqué que l'impureté du Ever, du membre arraché, c'est pas exactement la même chose qu'une Nevela par rapport à la viande qu'on va arracher du membre qui a été arraché. Alors, à part ça, on a maintenant introduit la notion qu'il faut que pour qu'un aliment puisse véhiculer une impureté, il faut qu'il ait été mouillé. D'accord? Si je traduis ça grossièrement, si j'arrache un bout de chair d'animal, par exemple, eh bien, s'il doit véhiculer une impureté, à part ça, pour qu'il véhicule l'impureté, il faut qu'il soit mouillé une fois. D'accord? Pour le moment, tout va très bien. Maintenant, on va parler d'un cas un peu plus délicat, et c'est là tout le but de notre Mishnah, de nous parler maintenant d'un cas où on va parler d'un membre qui pendouille, qui a été dévitalisé, il a été arraché, mais il n'a pas été complètement arraché. Imaginez un tigre qui a sauté sur une vache, il doit arracher un bout de chair ou un membre, mais que le membre il est encore relié. Alors là, ça devient délicat. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire, puisqu'il est complètement dévitalisé, il va avoir un statut d'aliment. Il va avoir un statut d'aliment, mais il n'a pas encore un statut de Ever Minachai qui véhicule l'impureté lui-même. Et le but de la Mishnah, maintenant, il va nous parler de trois situations. Il y a tout d'abord, il va me dire, mais écoute, tu sais, tant qu'il pendouille, c'est pas encore, il véhicule pas d'impureté de Ever Minachai. Mais malgré tout, c'est déjà un aliment mangeable, éventuellement. Ouais,
Il est déjà mangeable, puisque étant donné qu'il a déjà été déconnecté de sa vitalité complètement, alors il a peut-être un seul aliment. Donc si tu le mouilles et tu vas le toucher, il va devenir impur. Et maintenant, on va ensuite parler dans la deuxième partie de la Mishnah, plutôt dans la troisième partie, ça va être plus facile. On va parler d'abord du cas où l'animal, il est mort. Maintenant, il est mort. Est-ce que, donc l'animal, c'est devenu une nevela, est-ce que ce membre qui est en train de qui pendouillait, il va avoir le même statut qu'une nevela ou il a un statut d'évermina chai? Et on va aussi parler du cas où j'ai fait la shrita à la vache, et que maintenant, quel sera le statut de ce membre? Est-ce que lui, il va déjà véhiculer l'impureté ou pas? Voilà à peu près le sujet de la Mishnah. On a réussi à tout dire. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un peu délicat, mais Baruch HaShem, maintenant, on va commencer à lire très dur la Mishnah. Vous allez voir que, Bezrat HaShem, vous allez chacun comprendre qui 60%, 70%, 90%, c'est déjà pas mal. Aever Vabassar Amedul Dalin Babehema. On parle maintenant à Aever, un membre. Vabassar, de la chair. Amedul Dalin Babehema, qui pendouille. Ouais, ils sont Medul Dal, je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé d'autres mots qui sont. Qui d'accord, ils pendouillent. Dans de l'animal. Alors la Mishnah m'enseigne, Metam in Tumat Ochalin Bimkoman. Il véhicule une impureté, l'impureté des aliments, même s'ils sont encore pour le moment reliés. Ils n'ont pas encore été déconnectés complètement. Ils véhiculent la Touma des aliments, pas la Touma de la Nevela. Parce que pour le moment, ils sont encore rattachés à l'animal, ils n'ont pas encore été cueillis. Mais ils sont quand même aptes, ils sont déjà des aliments, donc des aliments, puisqu'ils ont été dévitalisés. Et donc, si les tsrichin hercher, mais ils ont besoin d'être auparavant, d'avoir le hercher, de pouvoir être mouillé. Ça veut dire ce qu'on appelle hercher, hercher pour la Touma, c'est que ça va le fait de mouiller l'aliment, ça va le faire entrer en fonction pour le consommer. Sur ça, je fais une petite parenthèse, et je vous dis tout de suite que la dernière phrase de la Mishnah, de Rabbi Shimon Metaher, Rabbi Shimon rend pur, le Barthénois, il y a un long Barthénois qui nous explique qu'il se rapporte sur ça, Rabbi Shimon. Et il me dit, non, la viande, tant qu'elle n'a pas été arrachée, elle n'a pas un statut d'aliment du tout. Elle n'a pas un statut d'aliment, donc même si tu la mouilles, elle ne véhiculera pas d'impureté. D'accord? Entre parenthèses, la raison, elle est très simple, c'est que pour dire que c'est un aliment, il faut dire que ce soit un aliment, parce que c'est quelque chose qui peut être consommé. Par qui ça va être consommé? Par un juif, c'est pas possible, parce que c'est un statut de tréfa. Donc par un goy. Mais même un goy, il n'a pas le droit de manger cet aliment, puisqu'il a un statut de Ever Minachai. Et le goy aussi, il n'a pas le droit de manger Ever Minachai, et c'est en cela qu'il y a une discussion, selon Tanakama, qui est Rabbi Meir. Alors lui, il pense que malgré tout, les goyim, ils transgressent, et puis ils mangent. Donc c'est un statut d'aliment. Et Rabbi Shimon, il se dit, non, de la viande qui n'a pas, alachiquement, un statut d'aliment, eh ben, ça n'a pas un statut d'aliment. D'accord? Je referme la parenthèse. Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas très grave. Retenez juste, malgré tout, que Rabbi Shimon, il est relègue sur ça. Ok? Donc, pour le moment, on a parlé donc qu'il y avait le membre ou la chair qui était détachée, mais qui était donc dévitalisée, mais qui était encore en train de pendouiller et qui était encore attachée. On a dit juste que c'est un statut pour le moment d'aliment, puisque c'est un statut d'aliment. Si ça se fait mouiller, eh bien, ça va maintenant véhiculer de l'impureté comme si c'était un aliment qui est complètement déplaçable. Et on a dit que Rabbi Shimon, il est relègue. On passe maintenant dans la deuxième partie de la Mishnah. Nishreta HaBehema, Urcheru Betamea. Si toutefois maintenant tu vas faire la shrita quand le beau morceau de chair ou de le membre ils sont en train de pendouiller, tu as fait la shrita de la vache. Urcheru Bedamea. Eh bien, ils vont maintenant recevoir leur hercher. Ils ont été considérés comme maintenant aptes à véhiculer l'impureté des aliments. Bedamea par le sang de la mère. C'est-à-dire, quand tu vas faire la shrita de la vache, il va y avoir du sang qui va lui couler sur le cou. Et le coup maintenant, puisqu'il y a du sang qui lui a coulé, ça fait que maintenant tout l'animal, il va véhiculer l'impureté. Il est apte à devenir impur. Et même ce morceau de viande qui est encore, qui pendouille. D'accord? C'est ce que ça veut dire, Urshur Bedamea, dit Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Shimon, Omerlo, Urshur, Rabbi Shimon nous dit non, ça n'est pas, ils ne sont pas aptes à véhiculer l'impureté pour le moment par le sang de la mère, par la shrita de la mère. Et là, ça devient plus délicat pour expliquer. Ça rejoint ce que je vous ai dit, que d'après Rabbi Shimon, le sang ne fait pas entrer en fonction pour rendre impur. Mais par contre, il y a la shrita, et il y a une raison pourquoi Rabbi Shimon, spécialement la shrita ici, elle ne peut pas marcher pour le membre, puisque la shrita ne va pas fonctionner pour permettre le membre. C'est un peu plus délicat, c'est bien expliqué en très court dans le Tiferet Israël, si vous le regardez. D'accord? J'ai dit l'essentiel. On continue maintenant. Meta habema, abassar tzarich hercher. Là, c'est le cas le plus simple.
n'avait ce membre qui pendouillait, et l'animal, il a fini par mourir. Donc, l'animal, il est mort, il a un statut de nevela. C'est vrai, mais le membre ou le morceau de chair, eux, ils n'ont pas le statut de nevela de l'animal. C'est clair? Ils n'ont pas pris le statut d'aliment de l'animal. Ils ont un autre statut. Ils sont considérés comme indépendants de la mère. C'est-à-dire le fait que la mère va, que la vache va mourir, va faire que maintenant, ben, ce membre-là, on va considérer comme si qu'il a été déjà arraché par le fait que la mère elle est morte. Et de ce fait, maintenant, eux, ils ne véhiculent plus l'impureté de la mère. Donc si c'est un morceau de chair, ça ne va pas du tout véhiculer d'impureté. Et si c'est un morceau de évar, si c'est un membre entier, alors ça va véhiculer l'impureté, mais pas l'impureté de la nevela, mais plutôt l'impureté de verminachai. C'est ce que la Mishnah enseigne. Ha évar metame mishum ever minachai, veeno metame mishum ever nevela. Le membre maintenant qui est détaché, enfin qui est encore rattaché, un petit peu, qui est encore relié, mais qui est devenu une partie. C'est-à-dire que quand l'animal il est mort, il n'a pas encore reçu de hercher, et puis maintenant il va devenir une nevela. Ben, sache qu'il n'a pas en fait le même statut qu'une nevela. Il a un statut de ever mina chai et pas de ever mina nevela. Ha ever, le membre, metame mishum ever mina chai, il véhiculera l'impureté connue dans le statut de ever mina chai du membre qui a été arraché sans tuer l'animal. Ben non, metame mishum ever nevela, mais il ne va pas rendre impur parce qu'on va le considérer comme un membre d'une nevela, d'un cadavre, d'animal, d'ivrer Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Et la raison de ça, donc, c'est comme ce qu'on a dit, parce que le... J'ai perdu une de mes idées, excusez-moi. Oui, parce que le... D'accord, parce que donc, selon Rabbi Meir, ce membre-là, il n'a pas un statut de nevela. Il n'a pas un statut de nevela. Malgré tout, il véhicule l'impureté. Mais quelle impureté? L'impureté du Ever Mina Chai, c'est ce qu'on avait expliqué au début du cours, que... Si toutefois on va racheter un morceau de chair de ce membre qui est en train de pendouiller et que l'animal il est mort, eh bien ce morceau de viande que je rachète du membre ne va plus véhiculer d'impureté. Ça s'est expliqué dans le Barthénora qui rallonge, qui nous dit Aever metame mishum ever minachai, c'est expliqué comme ça. Et la fin de la Mishnah conclut en me disant Verabi Shimon metaer, Rabbi Shimon rend pur. Et là on a le Barthénora donc il va vous dire qu'en réalité il ne parle pas de cette partie de la Mishnah, il parle plutôt sur la première partie de la Mishnah en fait. Où Rabbi Shimon pense que le membre, on avait dit que metamim tomato chalin mimkoman, que le membre qui, quand il pendouille, que l'animal il est même encore vivant, que si on va mouiller ce membre qui pendouille, on avait dit que d'après Tanakama ça va véhiculer l'impureté parce que maintenant il a un statut d'aliment. D'après Rabbi Shimon metahir, il va le remplir, il va dire non, ça n'a pas un statut d'aliment. Et j'espère que vous avez compris, Maître Tachem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.